l'idée de faire Carmen remonte à quelques années déjà, en fait, avec Jacques Malaterre. Il y a 5 ans, on avait fait un film ensemble, et déjà, c'était un peu dans la région de Carmen, en tout cas là où on voulait que le film se situe, en Camargue. Et déjà, on avait commencé des pré-repérages, en fait. Le projet a vraiment démarré il y a 3 ans en écriture. Donc l'idée était vraiment d'adapter, non pas l'opéra de Bizet, qui est lui-même une adaptation de la nouvelle de Mérimée, mais de repartir de la nouvelle de Mérimée. Et ce qui m'intéressait vraiment, et c'est pour ça que je suis allé chercher Jacques, c'était que je voulais vraiment une autre vision de Carmen. Et Carmen, ce qui est intéressant, c'est que plein de réalisateurs l'ont fait, que ce soit Otto Preminger, que ce soit Carlos Saura, que ce soit énormément de réalisateurs, même Jean-Luc Godard. Et à chaque fois, ce sont des Carmen très très différentes les unes des autres. Il y en a qui sont politiques, il y en a qui sont sur la danse, il y en a qui sont sur le blues. Et à chaque fois aussi, ça porte une vraie vision du monde. Donc ce que je trouvais intéressant, c'était de me dire quel réalisateur je vais aller chercher pour me proposer une autre vision de Carmen qui n'a jamais été faite. Et ce qui m'intéressait avec Jacques, que je connaissais bien pour avoir travaillé plusieurs fois avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui vient du documentaire et qui travaille beaucoup en fait sur l'aspect réaliste en fait. Et je me disais, on va voir une Carmen comme on ne l'a jamais vue parce qu'elle va être hyper réaliste. On va voir les gitans comme on ne les a jamais vus. Qu'est-ce que c'est que d'être un gitan à la fin du 19e siècle? Voilà, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était ce rapport entre finalement les gitans et les bourgeois camarguais installés à l'époque. Et de me dire, voilà, on va voir quelque chose de différent, on va le voir aussi dans les costumes, on va le voir dans les modes de vie. Et ça, Jacques, en fait, est très, très fort là-dessus parce qu'il se documente énormément. Il connaît très bien la Camargue parce que lui, il vient d'Avignon, en fait. Donc, c'est vraiment un fils de la Camargue. Et c'était ça qui m'intéressait, cette vision différente, nouvelle et beaucoup plus âpre, en fait. L'idée était vraiment de prendre la Carmen qui était sur les planches de l'opéra et de la jeter dans la boue de Camargue pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Vamos! Cuando bailaba frente al mar. Pour le casting de Carmen, on voulait vraiment une comédienne qui ait un regard en fait. Et ça, c'était vraiment difficile à trouver. Donc, on a casté à la fois en France et en Espagne en se disant on va faire un double casting et on verra là où on la trouve. Il fallait quelqu'un qui est à côté du sud, évidemment, qui sache danser le flamenco, plus exactement la rumba flamenca, qui est le flamenco gitan, donc qui est ça dans la peau aussi, et qui est vraiment ce regard où on se dit tout de suite tiens, elle a un regard particulier, il y a une sorte de feu à l'intérieur. Et finalement, on l'a trouvé en Espagne, donc avec Vicky Luengo. Donc, qui vient de Barcelone. Et on voulait une Carmen qui soit très jeune, parce que la nouvelle de Mérimée, il y a beaucoup de gras, etc. C'est pas facile à adapter, l'histoire est assez ténue finalement, donc on a beaucoup retravaillé l'histoire. Mais ce qui nous intéressait dans la nouvelle de Mérimée, c'était l'âge de Carmen. En fait, Carmen, c'est une très jeune fille, c'est-à-dire qu'elle a à peine 18 ans, enfin même dans la nouvelle, elle n'a pas 18 ans. Et on voulait retrouver cette espèce de fraîcheur et de vigueur de la jeunesse qu'on n'a pas dans les autres adaptations de Carmen. En général, ce sont des femmes beaucoup plus mûres. Et donc là, on cherchait vraiment une très jeune fille. Et Vicky avait ce côté voilà, très, très jeune, vraiment dans le premier élan de la vie, dans l'adolescence, qui donne aussi ce côté révolte et ce côté passionnel. Oui. Tu sais ce que ça veut dire, Carmen, en latin? Non. Ça veut dire le chat. Oui. C'est une fille du vent, vous, hein? Donc on a tourné le film entièrement en Camargue, donc dans le delta du Rhône, entre Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer. On voulait vraiment voilà, respecter ça, c'est-à-dire se dire on ne tourne que là et on va montrer une Camargue un petit peu, je dirais, comme un western. On voulait vraiment faire une sorte de voilà, le retour de quelqu'un, donc qui est cette Carmen, qui est une inconnue, qui arrive dans un lieu et les problèmes vont commencer à arriver, ce qui est vraiment une figure classique du récit de western, avec des paysages un peu vides comme ça de personnages, assez peu de monde en fait. Et quand on va dans une auberge, on retrouve les mêmes gens qu'on a vus dans la rue, parce que finalement, c'est des lieux qui sont assez concentrés, il y a assez peu de passages, puisqu'on est vraiment au bout de la terre. Donc voilà, de retrouver ce côté, une Camargue finalement assez proche d'une mythologie du western. Tu continues avec ce paillot, je le tue. J'ai fait ça qui me plaît. Va danser. Tu me fais mal. Oh, laisse là. Fais le tour de tes affaires, paillot. Laisse là, je te dis.
Calme-toi. Pour la musique de Carmen, évidemment, tout le monde attend les fameux airs « Si je t'aime, prends garde à toi »,« L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu la loi ». Donc on s'est dit que forcément il y aurait ces airs-là, c'était incontournable, les gens les attendaient, donc ils les auraient. Mais au lieu de les avoir avec les violons, l'Opéra de Paris, etc., on s'est dit qu'on allait vraiment le jouer avec des gitans qui joueraient à la guitare, exactement comme ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire vraiment un côté, là aussi, très, très quotidien, en fait, et qui donne plus d'âpreté au film. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur Carmen, et vous allez en découvrir une complètement nouvelle. Donc, prenez garde à vous.